À l'occasion des 30 ans de son album Samedi soir sur la Terre, le 6 avril dernier, Francis Cabrel a fait un beau cadeau à ses fans de la première heure en leur dévoilant le clip de l'une de ses chansons les plus célèbres. Le 6 avril dernier marquait le 30e anniversaire du 8e album de Francis Cabrel, baptisé Samedi soir sur la Terre. Ce dernier, certifié disque de diamant, avait été un véritable succès puisqu'il avait été vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Et pour l'occasion, l'artiste a décidé de sortir sur sa chaîne YouTube un tout nouveau clip, celui de son titre La Corrida, qui figure en premier sur son album. Une vidéo de plus de 5 minutes qui met l'image d'une torera en costume, de fleurs et paysages, entrecoupé par d'autres du chanteur, sa guitare à la main. Sortie en 1994, la chanson La Corrida n'avait pas eu droit à un clip à ce moment-là, à cause de la polémique suscitée par cette prise de position contre ce combat violent entre un homme et un taureau, où l'animal est quasiment toujours perdant. À cette période, le sujet sur cette tradition d'origine latine n'avait pas autant été discuté et comme le rapporte BFM TV, c'est la maison de disques de Francis Cabrel qui avait alors choisi de se passer d'un clip pour ce titre. Quoi qu'il en soit, ce dernier aura marqué des générations. Le chanteur avait eu l'idée d'évoquer la position du taureau confronté à cette tradition après avoir participé à une corrida à Bayonne. Une inspiration soudaine en plein trajet en voiture. C'est en voiture que l'interprète des titres « Je t'aimais »,« Je t'aime »,« Je t'aimerai » et « Je l'aime à mourir » avait eu l'inspiration de cette chanson. J'avais le dictaphone au fond du coffre. Je me suis arrêté avec le thème et quelques phrases qu'il fallait tout de suite capturer, avait indiqué Francis Cabrel en 2000, dans l'émission « Tout un programme ». Pour rappel, la chanson La Corrida est accompagnée de chants en espagnol signés Nicolas Reyes des Gypsy Kings. Francis Cabrel a aussi récemment fait parler de lui, pour un tout autre sujet. L'auteur-compositeur de 70 ans a en effet été la cible de fake news. Comme pour d'autres stars, son image a été utilisée en ligne par des internautes mal intentionnés assurant qu'il aurait découvert le secret de la réussite financière et qu'il risquerait la prison pour en avoir parlé publiquement.